Bonjour à tous. Donc voilà, cette vidéo, je voulais un petit peu parler d'une petite chose que j'ai pu constater dans ma vie et même dans la vie de plein de gens. C'est cette envie de casse-pied pour rien, tu vois. Genre, c'est Noël, c'est la fête de Jésus. Et il y a des gens, ils ont même pas un bout de pain, tu vois. Ils ont même pas, ils veulent juste peut-être boire un verre d'eau, ils sont contents. Et nous maintenant, juste parce que soi-disant c'est Noël ou c'est Saint-Nicolas, on va aller casse-pied notre fric pour rien, quoi. Parce que finalement, Noël, la seule chose que Noël demande, c'est qu'on soit unis et qu'il y a de l'amour. Parce qu'on s'en fout que tu donnes 100 euros à ton gosse, mais qu'après, en fait, tu le traites comme une merde, ou que ton gosse te fait un pull et qu'après, il te dit ta mère, ou il t'insulte comme si t'étais une merde. Ça sert à rien, les cadeaux, tu vois. Même la Saint-Valentin, ou tous ces fêtes à la con, ça sert à rien. Tu vois? C'est juste pour. J'ai l'impression que des fois on est dans notre monde, tu comprends? On se rend même pas compte que peut-être en Afrique ou dans d'autres pays on crève la faim. On dirait que chacun il est dans son monde et que on en a rien à foutre de ce qui se passe à côté, tu vois. C'est un petit peu comme quand tu roules à la voiture, tu vois. Il y a toujours des gens que tu te dis, mais pourquoi tu dois prendre ma place? Tu vas gagner quoi, tu vois? Ils sont là, ils ont gagné 10 mètres, ils t'ont dépassé. Tu sens dans leur regard, tu vois, ils sont là, ils te regardent genre. Ils sont contents, tu vois, waouh! Tu veux une médaille, je sais pas, tu veux un cookies, je sais pas, cool, c'est bon, t'as gagné 10 mètres dans ta vie, hein. Non, mais on rigole, mais c'est même pas marrant, c'est pas marrant, c'est la réalité, tu l'as déjà vu toi-même. Et puis, moi j'estime que un petit peu de simplicité, de se rappeler un petit peu du fait que ouais, même les petites choses qu'on voit, bah, c'est pas banal, tu vois, d'avoir une bouteille d'eau. D'avoir à manger au soir, d'avoir de la lumière, d'être au chaud. Parce que, ouais, c'est banal, mais il faut des fois un petit peu s'arrêter parce que les gens courent trop, tu vois, ils courent trop derrière l'argent, ils courent trop derrière des pseudo-amours. C'est pas de l'amour, c'est juste, on utilise l'amour pour faire du sexe. Enfin bref, moi je suis pas mieux que vous, hein. Moi aussi, des fois j'oublie de tout ce que j'ai autour de moi, mais des fois j'en prends conscience et je me dis, putain de merde, j'ai tout ça et encore j'ai besoin de plus, tu comprends? Et quand je vois ça, je me dis, ben, au fond de moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'il y a à côté de moi, j'en ai rien à foutre des clochards que je vois à la gare, ou j'en ai rien à foutre des reportages à la TV, on en a rien à foutre, c'est ça la vérité, tous. Alors, au lieu de donner 3 euros à un type, si déjà on arriverait à prendre conscience qu'on a trop, et que le trop, on essaye de le donner peut-être, ouais, ben pourquoi pas, de le donner. Alors on se rend compte que finalement, un joueur de foot, un politicien, eh ben, il n'a même pas le droit de nous parler, ce mec. Parce que ce mec, c'est une honte en personne. Alors certains, ils sont là, je suis fan de Patterson, je suis fan de si, c'est un idole. Vous savez, c'est quoi un idole? C'est quelqu'un qui fait les choses pour rien et qui aide un maximum de gens. Et qui va même donner de sa poche, hein, et qui même lui va peut-être être dans la merde, hein, pour que tout le monde autour de lui, hein, eh ben, il a un sourire en bouche. Ça, c'est vraiment être un idole. Et le pire, hein, c'est ce genre de mec, hein, il voudra même pas te signer un autographe et il voudra même pas être reconnu comme une star. Parce que pour lui, c'est normal. C'est normal que s'il a de trop, eh ben, il le garde pas. S'il sait qu'il y a des gens qui. En fait, on ne doit pas penser en tant que moi, on doit penser en tant que planète, tu comprends? Parce qu'à la base, on est des humains, on doit préserver la race humaine, on doit préserver notre planète. Et quand on va comprendre que celui-là à côté de nous qui est en train de mourir, eh ben c'est peut-être un signe que peut-être un jour ça sera moi qui va mourir à sa place. Eh ben si on s'entraide pas, on finit qu'à la fin, on va s'entretuer entre nous. Et que finalement, on va se rendre compte qu'à la base, on était un cercle qu'on a voulu diviser en plein de petits noyaux, des noyaux cancérigènes, parce que les gens qui pensent tout seuls, c'est des cancers de la société. Voilà. Vous partagez pas, je m'en fous, parce que quand je dis quelque chose qui vient du cœur, quand je dis quelque chose que voilà, j'en ai rien à foutre que ça va en première page ou pas, mais voilà. Si maintenant t'as aimé, sois pas hypocrite, tu partages, c'est tout. C'est tout ce que je demande, c'est d'être vrai. Après le reste, ça m'importe peu. Voilà, merci de votre écoute et bon ben, il faut que j'arrête là. Bah ouais, ben, je vais.
je vais appuyer sur stop alors. Ok, ben. À tantôt, hein.